Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la déco de notre comment ça s'appelle le flipbook, voilà. Faire la déco du flipbook estival. Et puis j'avais dit qu'on ferait des petits embellissements, donc on a déjà fait les petits tickets qui sont déjà là. Et aujourd'hui on va faire des petits trucs comme ça. Hop là. Je sais pas ce que je vais prendre. J'ai fait ça pour le pompon. Je pense que pour les autres pompons, je vais prendre des pompons tout faits. Donc j'ai fait déjà celui-ci. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Ça, c'est des petits trucs en résine. Le petit cactus là. Que vous voyez. La petite fraise. Hop là. Et ensuite, les petites glaces. Hop là. Ce sont des... Comment ça s'appelle? Des trucs en résine, là, comme ça, que je prends sur AliExpress, pardon. Donc, j'ai préparé mon petit papier comme ça. Alors, il fait... Après, vous en faites de la grandeur que vous voulez, même de la forme que vous voulez. Moi, celui-ci, il fait 7,5 sur 2. Et ça, du coup, ça doit faire 1,5. Ouais, 1,5 sur 2. Hop là, que je vais venir coller ici. Après, on viendra y faire un trou. Donc ça, oui, je vous dis, ces petits embellissements, vous les faites vraiment de la grandeur que vous voulez, de la forme que vous voulez. Vous pouvez en faire des ronds, des carrés. Des ovales, enfin, c'est vous qui voyez. Hop là. Ça, c'est vraiment avec les chutes de papier qui me restaient, hein, du flipbook. Ok. On viendra faire un trou tout à l'heure ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il me faut un peu de tulle. Et là, je vais prendre cette espèce de glace pastèque pour mettre dessus. On va faire ça, on va faire la déco. Ah oui, faut que je coupe là, j'ai oublié. Pour faire la petite bannière comme une petite bannière. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'entaille environ au milieu. Alors après, vous pouvez prendre des mesures, hein, rien ne vous empêche. Vous me connaissez, moi, je ne prends pas de mesures, j'y vais un petit peu au pifomètre. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est complètement. Et hop là, ensuite, vous... Voilà. Et ça vous fait votre bannière. Ensuite... Ok. Tchoup. Hop là. Donc oui, là, comme je vous disais, je sais plus en fait. Tchoup. Et puis lui, je vais venir lui mettre un petit coup de colle chaude. Ma pauvre colle chaude que je m'en suis servie hier. Ça faisait un moment que je m'en étais pas servie. Il va finir par me détester ce pistolet en fait. Et je l'ai laissé toute la nuit, enfin toute la journée d'hier, toute la nuit. En marche. J'aurais peut-être mieux fait le faire à la colle chaude, ça aussi. Ma foi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce serait peut-être pas plus mal. Attendez, les gars. Ah. Ok.
Là, ce que je vais venir faire, c'est couper juste un petit peu comme ça. Histoire qu'on voit bien. Voilà. Tchoup. Ça, c'est bon. Et puis maintenant, on va venir faire les trous. Et on va venir poser les œillets. Alors, je crois que j'en ai posé 2 œillets. Donc là, pareil, hein, vous pouvez prendre la mesure si vous voulez. Moi, j'y vais un petit peu. Bah, j'y vais pas un petit peu, j'y vais carrément. Puis, il faut mettre, arrête de dire un petit peu. Hop là. Et puis, eh bien, maintenant, où sont mes... Là. On va prendre 2 œillets. Bon, je range la croque d'ail, n'importe quoi. Hop là. Et voilà, ça c'est cool. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre des... Oh, attendez, il faut que je les chope déjà. Hop là, on va venir prendre des... Ça, là. Des petits anneaux pour pouvoir y mettre nos pompons. Par contre, nos pompons, je vais prendre ma boîte qui est là et je vais voir si j'ai pas des pompons qui pourraient être tout faits. J'ai commandé ce qu'il fallait pour avoir, j'ai commandé ça sur AliExpress, les petits machins comme ça, pour pouvoir m'en faire des petits pompons en suédine et tout et tout. Enfin, en suédine ou en papier ou en simili comme ça, hein. Je trouve que ça fait plus fini que... Bah, ceux-là, ils sont pas moches. Puis là, on peut mettre des strass et tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais au moins, ça fait plus fini, je trouve. Par contre, j'ai peut-être coupé un petit peu les... Là. Ceux-là, c'est pareil, c'est moi qui les avais fait avec... Ouais, je pense que cela sera pas mal. Celui-ci, non, parce que c'est le seul en papier. Hop là. Donc, on vient prendre des pinces. On ouvre nos anneaux. Là, et puis ouais, celui-ci ira très bien ici, je trouve. Voilà. Et maintenant, ben, on referme l'anneau. Je suis peut-être pas trop dans le champ. Là, voilà. Ça nous fait ça. Donc, pour l'autre, ben, pour celui-ci, je vais mettre celui-ci. Après, pour ces deux-là, je mettrai les verres comme ça. Donc là, il va nous falloir encore 3 anneaux. Faut que je vous fasse un haul aussi. J'ai reçu pas mal de trucs de chez AliExpress. Faut juste que je trouve le temps de faire les découpes. Donc si j'ai un peu de temps, un soir de semaine, je le ferai.
Mais c'est que j'ai pas beaucoup... Ben, malheureusement, j'ai pas beaucoup, beaucoup de temps à moi. Et puis, c'est vrai que quand j'ai un petit peu de temps à moi, je scrape pas forcément, en fait. Et puis, je pense que... Je pense que jusqu'à la rentrée, je ne sais pas si vous aurez beaucoup, beaucoup de vidéos. Enfin, peut-être une par semaine et encore, je ne sais pas. Parce que là, ça va être les vacances. Enfin, bon, je travaille juillet, mais après, en août, je suis en vacances. Donc, bah là, clairement, je ne suis pas sûre qu'il y ait des... Enfin, vous n'allez pas avoir de vidéos durant mes 3 semaines de vacances, je pense. Et je reprendrai bah, peut-être en... Je verrai en septembre comment je m'organise, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai un travail qui me prend énormément, énormément de mon temps. Puis, bah, à côté de ça, après, c'est que j'ai quand même ma vie de famille. Le scrap, c'est chouette, hein. Mais on a, voilà, hein. On a un petit peu des impératifs. J'ai envie de passer un petit peu de temps avec ma famille aussi. Donc, je verrai comment je m'organise. Oh, aïe, aïe, aïe. Je pense que là, je vais être obligée de mettre un deuxième... Parce que le trou est un petit peu loin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le refermer et je vais mettre un deuxième anneau pour pouvoir passer le... Si j'y arrive, bien entendu. Ça me gonfle quand ça veut pas le faire du premier coup comme ça. Là, ça m'énerve un chouïa en fait. Je suis un peu comme les gommes. Je suis un peu comme les gosses. Quand j'arrive pas à faire un truc du premier coup, très très vite, ça me gonfle. Voilà. Super. Nickel. Là. Ok. Bon, ben, cela, on les a finis. Je vais pas faire le sachet avec vous, hein, parce que je vais pas le faire. Hein, tout. Non, mais je veux dire, on en a fait déjà ensemble des sachets décorés pour pouvoir... envoyer des petits goodies. Donc je ne vais pas en refaire, avec vous. Après, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée aux petits sachets d'embellissement. Enfin là, c'est surtout des petits sachets très très rapides. Donc voilà, hein, je vais prendre une feuille, je vais mettre mes petits trucs dessus. Hop là, après je vais prendre un bout de plastique comme ça. Je vais mettre du washi pour fermer. Et puis basta. Hein. Je pourrais faire des petits toppers, mais là, non, je n'ai pas envie. Donc, ceux-là, ils sont faits. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire... Alors là, j'aurai un paperclip à faire. Je pense que le paperclip, du coup, je ne vais pas le faire avec vous parce que j'ai déjà mis pas mal... Enfin, non, là, vous ne l'avez pas encore eu. Mais il y a encore une vidéo marque-page qui va arriver. Alors, je sais que les marque-pages, c'est pas comme les paperclips, mais j'ai pas envie de vous saouler non plus avec que des paperclips, que des... Voilà, j'aime ça, mais tout le monde n'aime pas forcément ça non plus tout le temps. Bref, passons. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'on... Enfin, ce qu'on va faire... Donc ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Non. Non. C'est le contraire. Ça, ça va être comme ça et ça, ça va être comme ça. Donc c'est ce côté là qu'on va décorer. Hop là, j'ai tout un tas de trucs. Là j'ai plein de die cut. C'est des die cut que j'avais pris aussi sur AliExpress. Et j'ai des ça, hop là, en fait c'est des, comment ça s'appelle, c'est des stickers qu'il y avait dans les, vous savez, les cahiers là, les grands cahiers format A4 où il y avait plein de pages de stickers. Il y avait des enveloppes et à la fin il y avait du papier pour emballage. Donc en fait, ben, les stickers, je les ai mis sur du cardstock et je les ai découpés pour m'en faire des, ben, ça là.
stickers. Non, die-cut. Merci. Ouh, il fait chaud. Ça doit être pour ça. Donc, eh ben, on va vite fait se faire la déco de ce petit flipbook estival. Là, j'ai bien envie de le mettre comme ça. Hop là. Je crois que je l'ai un petit peu abîmé mon pistolet à colle. Il va falloir que je le nettoie surtout, je pense. Allez, s'il te plaît. Sois sympa. Ou pas d'ailleurs. Putain. Si j'appuie pas dessus, en fait, ça tombe pas du tout. Ça coule pas. Va falloir que tu marches mieux que ça, Coco, hein, parce que j'ai quand même quelques trucs à te faire faire. Wouhou ! Ça brûle un peu. Ouais, va vraiment falloir que je le nettoie, je pense. Ok, bon, bah maintenant, outils. On va piocher là-dedans pour voir ce que nous a le maître. On a ça. On a ça, on a un Paradise. Ouais, j'aime bien ces petites lunettes. J'aime bien, bien. On a ça, on a des petites glaces. On a des avocats. On a ça. On a plein de trucs, quoi. Hop là. Bon, je vais essayer de mettre un peu en forme tout ça. Du coup. Hop là. Ok. Un petit Paradise par ici par exemple. Les petites lunettes de soleil, je pense que je vais les laisser ici. Hop là, le petit parasol à cocktail, je pense qu'il va aller là. Je pense que comme ça on n'est pas trop mal. Je voudrais une autre rondelle de citron si j'ai. Ah, j'ai, attendez, il y avait une fleur là, elle est là. Parce que vu qu'il y a du violet, j'aimerais bien quand même mettre un petit peu que ça rappelle, quoi. Là, par exemple, ma rondelle de citron ici, on a dit, et j'aimerais en avoir une autre. Là, voilà, super. Pour mettre par là. Là, je dirais, on est pas mal. Bon, je vais commencer à coller. Les lunettes, déjà d'entrée, je les laisse là-haut. Ok, le petit parasol, c'est pareil. Lui, j'aimerais bien le mettre même comme ça. Et du coup, que je remonte un petit peu tout ça. Ouais, donc là, il me faut. Je vais mettre de la colle chaude quand même. Enfin, si j'y arrive.
Ok, et puis là, on va essayer de tout remonter un petit chouïa. Donc, toi, tu vas venir ici. Toi. Alors ça aussi, hein, c'était des stickers que j'ai mais que j'ai fait en taille-cut, quoi. Hop là. Ça, on va le mettre comme ça. Ça comme ça. Et j'ai le deuxième là, vous savez que que je m'étais plantée. Donc ce deuxième, je pense que ce sera il sera à gagner pour le jeu. Je sais pas. Si, pour le jeu du mois de juillet, du coup. Hop là. Nickel. Ma petite fleur, on a dit qu'elle allait là. Cette colle verte, je la bouffe. C'est fou. Le tube, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. J'en consomme et puis vu que j'en ai plus en plus, ça m'en super vu. Là du coup, j'avoue que ça craint un petit haut. Là, j'ai dit que le Paradise, il irait pas mal ici. Que lui, ce serait pas mal là avec sa petite truc comme ça. Que ça, pour le coup. Ah ouais, crotte. Est-ce que tu peux? Est-ce que je peux? Là, comme ça. Donc, du coup. Hop là. Là, le Paradise. Notre petite feuille ici, et je me demande, attendez, je dois avoir, voilà, celle-ci peut-être. Non, parce qu'elle va être beaucoup trop cachée et ça me plaît pas. Voilà, comme ça. Ouais, mais non. Comme ça. Ouais, comme ça, ça me plaît pas mal. Choupa. Et pour le coup, notre citron, il va aller comme ceci. Ok. Alors, on replie. Pour voir ce que ça donne, écoutez, j'aime bien. Je regarde si j'ai pas d'autres mots là-dedans. Non, j'ai pas d'autres mots. Je n'ai pas d'autres mots. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Ouais. Alors, on va voir si on en trouve des petits.
Ça, c'est trop grand. Moi, je pense que ça, c'est pas mal. En plus, ça va bien avec... ça va bien avec le Paradise. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand aussi. Oui, bon, on va rester là-dessus, du coup. Hein. On va pas s'embêter. Je remets tout dedans. Ah, j'avais des bananes aussi. Hop là. Bon, ben ça c'est fait. Hop là. Je suis silencieuse aujourd'hui, je trouve. Remarquez, vous allez me dire, ça fait du bien de temps en temps. Hop là. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On va peut-être recoller un chouïa les lunettes. Voilà. Bon, ben, notre... notre... comment ça s'appelle? Notre flipbook est décoré. J'ai plus qu'à faire le... j'aurais plus qu'à faire le tag, mais ça, je vais le faire sans vous. Le dernier paperclip, le... comment ça s'appelle? Ben, la petite pochette pour ranger tout ce, tous ces petits embellissements-là. Et puis ben voilà, on a fini. Enfin moi j'ai fini du. Du coup, ça c'est mon échange pour le mois de. Pour le mois de juillet sur. Ben, sur le groupe de Marina. Donc bah ben, du coup, il est fait. J'aurai juste des petits goodies en plus à mettre. Et pour le coup, eh ben, je vous propose. Pour le mois de juillet. Ouais. Pour le mois de juillet, donc cette vidéo sera en ligne en fin de semaine prochaine. On sera fin juin. Ouais, c'est ça. On sera fin juin. Donc du coup, je vous laisse. Et ben, j'ai pas fini. Il est pas monté encore. Hein, on est bien d'accord. Là, il va falloir que je colle et là, il va falloir que je fasse mes pochettes. Mais donc, je lui ai fait des petits tickets comme pour l'autre. Hop là. Et je lui ai fait aussi des petits embellissements comme ça. Je ferai un paperclip également. Je ferai un paperclip également. Et il y aura aussi sûrement du, comment ça s'appelle, du ruban, hein, à gagner. Donc je vous propose eh bien, de gagner ce flipbook que je vais, bah, que je vais finir là. Là hein, peut-être aujourd'hui si j'ai un petit peu de temps. Je vous propose de le gagner pour le jeu, pardon, du mois de juillet. Je vous laisse jusqu'au 6 juillet. Attendez, c'est quoi, ça tombe à quoi le 6 juillet? Lilou, ça tombe à quoi le 6 juillet? Un mardi. Ouais, sauf que non, le mardi je finis très tard, donc ça va pas le faire. Ben, je vous laisse jusqu'au week-end après le 6 juillet pour participer à ce petit jeu. Donc il y aura ce flipbook fini avec ces embellissements là, et puis vous aurez ben, des petits cadeaux en plus. Enfin, vous aurez, oui, vu que. Bah, ce sera aussi pour fêter mon anniversaire. Donc, vous aurez... je vous mettrai... Alors là, je ne les ai pas sortis, je suis désolée. Je vous mettrai des planches de die-cut sur l'été que je me suis acheté sur Etsy. Donc, je vous mettrai bah, 2 ou 3 planches de die-cut. Et puis, ce que j'en ai fait d'ailleurs...
ce sera des comme ça, voyez. Alors, je vous le montre, je vous les montre, mais ça, ce sera, ça fait pas le partie d'une vidéo, hein. Ce sont mes AVB, mais ça fait pas partie, ce sera pas, je les fais pas en vidéo. C'est juste pour, je m'en suis fait pas mal pour envoyer aux copinettes pour cet été, quoi. Ils sont pas finis parce qu'ils vont être shakers, mais j'ai pas encore monté les shakers, j'ai juste, voilà, j'ai juste mis mes trucs derrière, je les ai décorés comme je voulais, et puis ensuite, je vais les mettre en shaker. Hop là, donc je vous montre, ce sera des die cuts comme ça, il y a ceux-là et il y en a d'autres que je vous montrerai, je ne les ai pas là. Hop là. C'est le Summer Pineapple, parce que là, il y a quand même vachement d'ananas. Donc, ce sera ces die-cuts là. Choup. Et puis, je vous montrerai les autres. Là, je ne peux pas vous les montrer. Je ne suis même pas sûre d'en avoir un seul sur mon bureau, malgré la catastrophe. Attendez, je regarde quand même, mais il ne me semble pas que j'en ai un. Ah si, regardez, hop là, ce sera dans ces tons-là, c'est des tons vachement plus, beaucoup plus pastels. Voyez, hop là. Donc voilà, ça, vous aurez trois planches de ces die-cuts, plus des petits goodies en plus. Donc je vous laisse jusqu'au week-end après le 6 juillet pour me laisser un commentaire. Donc grosso modo, vous avez une quinzaine de jours pour participer à ce petit jeu. Simplement, ce qu'il faut que vous me mettiez en commentaire, vous me mettez un summertime, hein, ou le temps de l'été, comme vous voulez, en commentaire. Et puis comme ça, je pourrai valider votre commentaire pour le tirage au sort. Voilà, on va se quitter là-dessus pour l'instant. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Ah bah attendez, on va peut-être se quitter sur une pensée positive aussi, hein, ce serait pas mal. Hop là! Vivez chaque seconde de votre vie avec joie, chaque minute avec espoir et chaque jour avec étonnement. Je vous l'ai lu il n'y a pas très longtemps celle-ci. Donc on va en lire une autre. Nuit et jour, je nagerai dans la douce rivière de l'espoir. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.